Opérant au détroit de Gibraltar depuis l'an 2000, la compagnie maritime FRS a remis ce mercredi 23 août le prix de 20 000 euros à son 20 millionième passager. Avec une campagne de promo qui a duré 3 mois, durant l'opération Marhaba 2017, FRS a souhaité récompenser la fidélité de ses passagers pendant ces 17 années, et ce, en mettant en avant et en racontant les histoires de ces fidèles voyageurs qui font partie du quotidien de FRS. La gagnante du prix est Madame Awate Flaglil. Elle voyageait avec sa famille pour retourner en France après des vacances à Casablanca. Mais j'y crois pas encore. C'est normal qu'il y ait une farha tma. Jusqu'à présent, j'y crois pas. Déjà, on va se poser. Je vais réfléchir. C'est vrai qu'on avait en projet de changer la voiture, de l'automobile, et ça va nous aider pour changer la voiture, je pense. La remise du prix a été animée par le présentateur Sam Edraylan, qui a su mettre l'ambiance festive à bord du navire Tanger Express. Après cette remise de prix émotionnelle, la compagnie maritime continuera à générer de nouvelles belles histoires à bord des navires FRS.